Bonjour à tous les amis, comme nous le disions dans la dernière vidéo, la circulation cyclonique se renforce dans les mers proches de Maurice et de la Réunion. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et prenez des mesures d'alerte précoces. Selon les données météorologiques actuelles du GFS et du CEPEMT, il est certain qu'un violent cyclone tropical passera par ou très près de l'île Maurice et de la Réunion les 23 et 24 janvier. De nombreuses pluies sont attendues sur Maurice. Elle est actuellement située à environ 1000 km à l'est et au nord et de l'île Maurice. Des dégâts plus importants sont probables que le dernier cyclone tropical Belal. Si l'on regarde la vitesse du vent en se rapprochant, elle peut être vue de 100 km à 120 km. Selon les données actuelles, les dégâts dus au vent sont très importants. Puis en ce qui concerne les précipitations, de très fortes précipitations seront enregistrées. Cependant, la précision n'est pas suffisante pour ce cyclone tropical. Les prochains bulletins météo donneront des informations claires et précises. En ce qui concerne la température à Maurice et à La Réunion, il existe une possibilité d'augmentation en journée, autour de 26 à 29 Celsius. Le temps froid prévaudra la nuit. Abonnez-vous et restez connectés pour recevoir des mises à jour météo instantanées. Nous discuterons de ce cyclone tropical en détail dans la prochaine vidéo. Restez à l'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo.